Maintenant, plus personne n'est maître de ses voix. Alors, que feront les électeurs qui ont voté pour M. Amrouche au premier tour? Que feront les électeurs de Thomas Rinsart? Que feront les électeurs de Stéphane Bobin? Vous savez, le deuxième tour, c'est une autre élection. En tout cas, moi, je vais l'aborder avec Marlène Laloge. Avec autant de sérieux qu'on peut, vraiment. Et oui, vous avez raison, on ne triomphe pas, hein, si c'est que de ça.